marié un conjoint également handicapé et j'ai deux filles et trois petits-enfants. Malgré une vie sociale et familiale réussie, il faut toujours se battre pour être connu. Mon principal obstacle est de dépendre financièrement des revenus de mon mari. Au vu de mon handicap, je n'ai jamais pu travailler. Comme le calcul de l'AAH prend en compte les revenus du conjoint, je perçois l'AAH à taux différentiel. Elle n'est que de 645 euros. Vous comprendrez ainsi notre combat sur la déconjugalisation. L'AAH doit être versée à taux plein pour une personne handicapée ne pouvant pas travailler sans tenir compte des revenus du conjoint. L'AAH, comme l'a défini la loi de 1975, doit être un revenu d'existence et non de substitution. Cette allocation a été créée pour les personnes handicapées ne pouvant pas travailler au vu de leur handicap. J'attends que le prochain président ou président de la République et son gouvernement reviennent sur cette injustice, car je suis une citoyenne à part entière. Ma voix compte.